On est dans le département du Nord, sur un cours d'eau qui s'appelle la Sambre, et plus particulièrement dans la Vénois. Notre fédération travaille au chevet d'une espèce emblématique de nos cours d'eau, le brochet. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'elle se comporte et la gérer de la façon la plus naturelle possible. On va travailler sur la reproduction, on va travailler ensuite sur le stock de poissons, savoir s'il y a beaucoup de poissons, et puis on va s'intéresser également aux points de blocage qui vont influencer l'état de la population. On va en quelque sorte réparer la nature pour que nos poissons puissent se reproduire. Le brochet est une espèce indicatrice, ça veut dire qu'elle va nous donner un signal ou une information sur la qualité de son environnement. Et le fait que l'on trouve cette espèce en abondance, on peut penser que l'environnement est plutôt bon. L'objectif, c'est de lui donner toutes les conditions les plus favorables pour qu'on conserve cette biodiversité. Biodiversité qui est invisible parce qu'elle se retrouve finalement sous l'eau, mais elle existe.